Il faut que la manière de raconter les luttes féministes change. On ne peut plus continuer à parler de l'âme de gouge au XVIIIe siècle si on ne parle pas aussi, dans le même temps, des femmes qui, dans ce qu'on appelait Saint-Domingue et qui deviendra Haïti, se joignent aux insurrections, prennent la tête, deviennent des soldates, vont être torturées, assassinées par les armées napoléoniennes. C'est de repenser le récit aujourd'hui en 2019 pour que des petites filles ou des jeunes femmes aujourd'hui élargissent le champ et non pas dans ce champ étroit de ce féministe qui dit « il n'y a qu'une seule manière de voir les luttes des femmes, c'est celle qu'ont menée les femmes françaises blanches ». C'est impossible. C'est anti-scientifique et c'est anti-curieux.